Qui reçoit les personnes, qui est là pour sauver un petit peu Kaelan et essayer de le repositionner. Le Koin de Yuki qui va subir un point pour le moment, mais Wax qui est tombé, double kill encore une fois livré par Yuki, totalement pris des pièces. C'est une honte qui est en train de passer avec le poivre acquis de Yuki 60. Non, ils vont laisser, c'est le fait acquis. De toute façon, le flash est le héros, très bien joué ici. Belle réaction qui va venir punir justement l'overextending de ce corps qui ne l'a pas fait. Oh, qui flash de corps qui ne l'a pas fait. Oh, petit flash extrêmement bien joué par Skins, bien sûr, qui récupérer le kill. Skins qui aidera à aller au bout, mais c'était magnifique. On n'a pas la vision d'ambition positive, un maximum de DPS. Attention, dégage de melon maintenant qui est en train de menacer sur Posi qui fragile, qui prend le kill, qui en prend deux, qui veut aller chercher le troisième, qui est un petit peu bloqué cette dernière, le tsunami Sugasit. Et on voit, on flash directement pour aller scorer one. Il va tomber. Oh, il lui a top 7 qui est récompensé. Multi-out maintenant. On aura le temps. C'est le flash. Le flash de Kato, c'est l'AT1 top 7. Il y a une arrow. Il y a une flèche qui monte ici. Il y a une arrow qui a traversé la flèche. Miski qui va peut-être en profiter justement. C'est sur la scène. Oh, Yuki, le coup de la main, cassé directement qui part sur le dash. C'est un dieu. C'est un dieu, c'est vrai. C'est la deuxième fois qu'il nous fait ça dans ce challenge France. Et là pour le coup, c'est du full cross map qu'on a vu pour la tourette.